Et salut à tous, c'est Tank, je vous retrouve pour le 43e épisode des Donjons et des Filles F14. On s'attaque aujourd'hui à l'ère, donjon 55, synchro 56. Donc l'ère, donjon, je dirais, c'est celui dont je vous ai parlé, le seul donjon en gros en désynchro 70, vous ne pouvez pas le faire en solo. À cause du dernier boss, et vous dire que le dernier boss a une petite particularité un peu spéciale. Mais je vais vous dire ça un peu plus tard. Alors, retirage, on va commencer à faire ça des trucs un peu pas bien. C'est pour toi. Donc, aujourd'hui, nous avons deux Allemands en français. Vous connaissez mon amour des Allemands, donc on va voir comment ça tank. Mais pour le moment, en tout cas, ce que fait l'Allemand, le tank, justement, ça me plaît. Peut-être pour une simple et bonne raison qui est. Ouais, ok. Pas très très bien stuff, donc il faudra que je me méfie de lui. Je pense que c'est la raison pour laquelle justement il ne tank pas des gros packs. Ça va être plutôt cool pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout. Alors, vous avez pu voir, voilà, ça tombe pas très bien, qu'il y a des fois des AOE qui vous tombent sur le sol sur la première partie du donjon. Ces AOE, c'est même pas des mobs qui vous le font, c'est tout simplement c'est le donjon en lui-même qui le fait. Oui, le donjon lui-même qui le fait, c'est assez bizarre. Mais c'est comme ça. Ce qui m'a gardé mon maintenant, lui aussi. Lui aussi, il ne m'a pas gardé mon thème. Putain, tu le fais dans sa spé. Un gros heal. Donc ces AOE, vous vous embêtez parce qu'il va falloir constamment, bien évidemment, les éviter. Rien de bien méchant, je vais aller chercher les coffres au fur et à mesure. Si les autres ne vont pas les chercher. Retriage, garder. Voilà, il y a un petit coffre ici. Sachant que ce donjon, pour ceux qui ont vu mes premières vidéos où je suis avec ma mascotte, le panda rouge se trouve ici. Bien évidemment, c'est une fois l'avoir acheté que je l'ai. Que je l'ai récupéré. Bien évidemment. Donc là-bas, il y a un autre coffre. Voilà. Le panda roux dans toutes les mascottes, normalement, si elles sont lootables, c'est à la fin. Certaines sont lootables, par contre, en cours de donjon, sur certains donjons. Sur celui-ci, il me semble pas. Donc là-bas, il y a un coffre. Ça va être encore des potions, les derniers, on va voir. Je ne pense pas aller le chercher. Donc au début c'est les packs de mobs, si les tanks sont assez costauds, ils vont prendre au début les deux packs, puis après là les deux packs aussi. Je préfère vous le dire. T'as quoi comme épée? Ah, une épée basique. Oui. C'est avec l'effet de la lumière, sauf qu'elle était violette. Pour ça me dit rien. Du coup, ah d'accord, ah, putain les mecs cassent dessus. Oh là là, ouais. Les mecs à mon avis sont en cours de pecs. Ok, t'étais pas en cours de pecs aussi. Ok, donc d'où le stuff assez pourri qu'ils ont tout ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, petite info sûre. Les AOE qui est au sol, qui tombent, ça vous foudroie, ça vous fait des dégâts. Vous pouvez mettre les mobs dessus. On sait jamais, hein. Ça peut leur faire des dégâts. Alors, premier boss, Rangdar. Rangdar. Donc, Rangdar, petit boss, c'est un petit peu chiant de faire des AOE des fois. Alors, mais moi, encore à l'heure actuelle, je ne sais pas trop comment les éviter. J'ai fait la merde parce que je suis en train de jouer comme mon érudit, mon astro, c'est n'importe quoi. Donc là voilà, il faut être au cac, la galaxie électrique, c'est cac, la charge d'unisphère. Alors allez se charge, voilà, vous allez avoir des AOE sur vous, s'il vous plaît, esquivez. Le rayon que vous avez sur une des séries sur le côté. N'importe laquelle, pour pas en fait vous prendre les dégâts qu'il peut vous faire. Électrocution,
Voilà, ça nous donne une zao, je sais jamais c'est dans quel sens. Mais qui vous expulse. C'est encore un truc que charge une sphère. Donc la même chose, cette fois-ci par contre il y a un add. Donc là pareil, il y a un comme d'hab pour tous les donjons où il y a des adds, tous les boss où il y a les adds toujours en priorité. S'il vous plaît, messieurs. Dame. C'est pas pour rien que j'ai les adds en priorité, c'est qu'en plus là il va le faire plusieurs fois, c'est ce qui s'appelle dad. Donc essayez un maximum de taper les adds en priorité. Il est assez chiant, donc là encore un add. Hop tiens. Donc moi ce que je viens de faire là c'est un peu con en soi. Mais je les poule en me disant. Hop hop, voilà, ça c'est bon. En me disant c'est bon tant que je te l'emmène et tu se démerdes avec ça. Savoir ça s'est bien passé malgré tout. Donc là vous voyez la pas la charge d'unisphère mais l'autre là, l'autre là-haut que je vous dis tout à l'heure, mince comment vous essayez de toujours être le cac, alors même moi je savais même qu'il vous fallait être. Ouais, elle prend quand même des bonnes patates, hein. En plus, le problème, c'est qu'il est. Je cherche mes sorts, je cherche mes sorts, je cherche mes sorts. On va taper un petit peu. Parce que... Voilà. Et on ressort quasiment à l'entrée. Vous avez vu, on est rentré ici, on ressort ici. Alors, repérage des donjons, enfin des boss, où est la sortie? C'est toujours l'endroit où il y a le coffre. Je vous le dis. On sait jamais. Que des fois vous soyez perdu. Donc, le premier donjon, ce qui est chiant, alors c'est une seule. Il y a une seule attaque que je ne sais pas trop comment l'esquiver. C'est celle où il fait les rayons et qui vous propulse. Parce que si je ne sais pas comment l'esquiver, des fois j'ai réussi, des fois non. Deuxième partie du donjon, pareil, il y a quand même pas mal d'adds, et vous voyez, en fait, plus ça va, et plus on descend, à la tanière des dragons. Et là, faut savoir, tous les rochetons de Nidhogg, vous pouvez les prendre sans avoir à taper le dragon torpide. Alors, si vous voulez de l'XP, tapez le dragon, sachant qu'il va faire quand même un peu de dégâts. Si vous n'avez pas besoin d'XP, il va faire pas besoin de plus d'XP que ça. Ne le tapez pas, ça vous permet d'avoir des mobs qui sont juste là à côté et qui ne vont pas vous taper. Là, malheureusement, le problème qu'il y a, c'est que si vous le faites, en fait, quand les rejetons meurent, ils font une AoE qui peut justement réveiller le dragon torpille. Ça a été le cas. Quand vous le faites, il faut vraiment venir les tanker en fait ici, sur le bord, et pour ça, il n'y a aucun risque. Je trouve très très bien qu'il soit justement fail. Ça nous permet de voir les problèmes. Ensuite, il va prendre le nid. Donc à chaque fois, il y a un dragon, vous voyez, qui se trouve là, qui prend plus, qui traverse. Bon, il fait juste une AO et c'est tout. Après, il s'en va, on ne voit plus sur cette zone-là, pas comme les dragons qu'on avait sur la vigile. Vigile de pierre. Donjon 47, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez le dragon qui descendait du plafond et qui vous faisait une grosse AoE de feu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il va jouer très 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 safe. Et ça me fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui jouent safe. Parce que au moins, ça nous permet d'être assez tranquille au niveau de nous, du heal. Parce que vu qu'il est quand même pas bien stuff. Donc c'est pour ça que toujours moi en général quand je vais dans un donjon je regarde le stuff, les niveaux des gens. Alors oui aussi bien évidemment de quelle région ils viennent. Donc là je sais que j'ai deux Allemands, je me méfie, mais très clairement à l'heure actuelle le tank aura mon honneur d'un petit allemand.
À croire que les Allemands nuls que j'ai eu la semaine dernière sont partis, j'ai les Allemands bons cette semaine. C'est possible. Oui, parce que la semaine dernière, les tours dont j'ai fait, j'ai tourné sur des Allemands, mais les Allemands nuls. J'ai nul, j'ai nul. Mais nul. Donc voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, justement, je me méfie un petit peu des Allemands. Donc là, il faudrait qu'ils prennent les rejetons et qu'ils se mettent à plutôt ici. Plutôt là. Et là, je pense qu'il y a un des rejetons qui va mourir, et bah, tout simplement, ça va appeler le dragon. Tout ça. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Le problème, il est vraiment là, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout au bon endroit. En plus de ça, il n'a plus de PM. Le point de mana. Ce qui fait que il est un petit peu emmerdé là pour reprendre l'aggro. Bijou à 10%. Je pense aussi que c'est un DK qui débute car il ne sait pas qu'il a un sort qui leur donne du mana. Donc normalement en fait là les tanks ils vont prendre les deux petits packs de rejetons et ils vont escalader ici. Si vous êtes un ninja vous pouvez chercher le coffre sans réveiller le dragon. Sachez-le. Avec votre furtivité. Si vous n'êtes pas un ninja vous ne pourrez pas aller récupérer le coffre. Donc là vous voyez là on va réussir peut-être pas avec celui-ci j'ai un doute. Voilà, ça m'en doutait. Donc je vais chercher le coffre, hein, les prismacolores. Les prismacolores sont utiles pour faire les mirages. Changer la tenue que j'ai, et que vous voyez très très souvent que j'ai pas la même tenue sur ton heal là, vous avez vu que j'ai trois tenues. Les prismes mirages, je suis tranquille, hein, 254, je m'en fous. A savoir que personnellement, je parle de mon point de vue, les prismes mirage, j'en ai jamais acheté. Je ne les farme pas, hein, très clairement. Mais savoir que dans certains jours, dans pas mal de jours, on pourrait quand même récupérer très très souvent. Deuxième boss, deuxième dragon, un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur lui? Ben, pas grand chose encore une fois juste à un moment il va faire appel à des ZAD. Alors en soi le boss après fait des dégâts, voilà, comme d'habitude ils vont taper le focus le boss, enfin le tank. Là il fait une AOE, écoutez, juste à esquiver. Cette AOE c'est une AOE de poison. Ne restez pas dedans ou ne soyez pas dedans au moment où il l'invoque pour une simple et bonne raison. Comme là vous avez pu le voir, il a un debuff de poison que je ne peux pas enlever. Pour son échange de critique, tiens. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'enlever. En plus de ça, vous voyez, là, il reste sur la zone. Ce qui est un petit peu embêtant. Troisième poison. Et là, vous voyez, il y a un nat qui est arrivé. C'est donc le gaz moutarde. Le gaz moutarde, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir vous attaquer. Enfin, il ne vous attaque pas à partir du moment. Enfin, tant que vous avez. Justement, des gaz sur la map. Il prendra un gaz, puis un deuxième, puis un troisième. Au deuxième, il va grossir, vous allez voir. Voilà, il commence à faire, hop, il augmente. Et au troisième, il augmente encore. Logiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre qu'il en bouffe 3. Et une fois qu'il en a mangé 3, vous pouvez justement le tuer. Là, il en a mangé que 2. Mais très clairement, ça le fait aussi. Parce qu'en fait, ça vous permet juste d'éliminer justement les gaz qui sont autour de vous et vous faire vous une zone quand même qui est plus ou moins correcte. Donc faites là, laissez-le manger. Et là,
très clairement, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas la salle, qu'ils ne savent pas qu'il doit quand même en manger 3. Et là, on va juste en manger 1, c'est chiant. Là, on a vraiment des gaz. Kill add after it. Free gas. Normalement, au bout de 3, justement, il ne peut plus en manger. Ah, si, il peut encore en manger. Ok, et au 4ème, il fait autodestruction. C'est aussi pour ça que justement, faut le tuer au bout de 3. C'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir. Donc, vous pouvez le laisser en manger 3. À savoir qu'au moment où il va sur le 4ème, il va commencer à faire autodestruction. Ça va, ça va être. C'est quoi? Clé à terre, ok, un verre cupi. Je pense pas que je l'aurai, hein, mais non, je l'ai pas. On continue, donc là pareil, c'est vraiment l'air, c'est vraiment un donjon de dragon. Il y a vraiment que ça, tout du long. Vous pouvez en plus de ça récupérer, alors quand j'ai pris prismes mirage, là vous en avez chié sur le donjon. La plupart j'ai récupéré ici. Parce que bien évidemment, quand je le fais en solo. Donc en désynchro pour faire justement mes armes reliques, donc ce que je fais sauf pour celui-ci. Bien évidemment, c'est ça que je voulais faire. Je vais ouvrir tous les coffres. Donc je récupère tous les coffres. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir. Donc toujours, là vous l'avez vu, ce qu'ils ont fait, c'est très très bien en plus les DPS. C'est d'abord taper le gros boss, enfin le gros mob, qui fait le plus de dégâts, et derrière on n'a plus que les petits à taper. C'est quand même bien plus simple, après, de taper les petits. Donc là on continue, ouais, c'est les pifs, simplement, qui nous ouvrent le passage. Donc si vous regardez la map, on n'a pas de passage ici. Là on n'a pas, et le prochain il sera ici. On n'a pas non plus de passage là. Vous voyez les pifs qui tombent, qui justement nous coupent la voie. Donc là, normalement, il y a deux mobs à prendre. Il prend celui-ci et logiquement, il peut prendre l'autre qui est derrière. Mais là, j'ai bien peur qu'il s'attaque à celui-ci. Oh, il va prendre le prochain. Allez, prends le prochain. Prends le prochain. Il veut pas. Ah, moi, j'ai volontairement la tirer. Ah, je vais même pas la tirer. Ouais, vas-y, mec. Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, je vais pas te mentir, mec, je m'ennuie un petit peu. Tiens, pour la peine, là j'ai encore plus mon nez. Ah, j'ai envie de le garder pour la... ça devrait le faire. Je sais pas encore. Voilà. Donc les allosaures, on les voit assez souvent. Justement, on va les voir sur le défi du boss final. Donc le boss final, il s'agit de Nidhogg, on a un défi là-dessus. Oh, cette tenue est cool. Tiens, Cupi. Je l'aurais pas, mais Cupi. Vache. Je suis la bête. Oui, c'est vrai que j'ai ça. Donc là, quoi qu'il arrive, vous ne prenez que ces trois mobs ici. Vous n'allez pas plus loin. Vous voyez, plus loin, il y a trois dragons. Je vais essayer de mettre caméra, on voit les trois. Là, on voit les trois dragons, le petit zone rouge. En fait, il n'y en a plus que trois. Vous allez voir, il y a le bot et tout derrière. Oh, c'est lui, il est quand même assez stylé. Hein. Alors le boss est un petit peu spécial, les boss finales, vous allez voir. Parce que la strat, en plus ça tombe bien que je le fasse en heal, en tout cas je l'aurais fait en heal. La strat est un petit peu différente pour le heal que pour les autres. Que pour les autres joueurs. Si vous êtes d'ailleurs, hop, là, je vais y arriver. Alors. Un DPS qui heal, c'est-à-dire l'invoque ou le mage rouge. Ou si vous êtes un paladin. N'hésitez pas au moment du boss à aider justement le healer. On va bien faire arriver au boss. Là, on a une petite zone en fait où on a
les dragons, donc les vouivres, qui vont venir au fur et à mesure, une par une. Enfin, une par une, non. Là, il y en a une qui vient, la deuxième pourrait venir avec des adds, et la troisième viendra en cours. Donc là, on a un add qui arrive, on a plusieurs adds. Qui arrive au fur et à mesure. J'aimerais bien ne pas. Ah, n'importe quoi. Ne pas les tanker. Donc là, oui, la première est morte. La deuxième arrive, ainsi que la troisième. Donc là, ouais, elles viennent toutes les trois en même temps. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas gênant. En soi, c'est pas gênant. C'est toutes les trois en même temps. Sauf qu'une fois que ces deux-là sont tués, on a tout un pack d'adds qui arrive. Voilà, là on a tout un pack de wyvern qui arrive. Alors, à savoir que très clairement, celles-ci ne sont pas. Pas beaucoup de dégâts. Ouais, j'ai fait moi, j'ai fait attaque. Je pense que Naok a dû faire une attaque. Ce qui fait qu'ils ont pris assez cher les wyverns. Et ensuite, on avance ici pour monter au niveau du boss. Alors, le boss, le voilà, la première fois qu'on le voit dans un donjon. Nidhogg. Alors, regardez ce que je viens de faire, je vais mettre en cible Foka Nidhogg, et en fait je vais changer. Je vais mettre en cible Foka Estinia. Estinia qui tient dans sa main l'œil de Nidhogg. A savoir que le défi Nidhogg, on l'aura qu'au niveau 59. 60. Autant pour moi. Des bêtises. Alors sur ce boss, qu'est-ce qu'il y a à savoir? En tant que heal, vous devez surveiller la vie de vos collègues, mais aussi Destinia. C'est pour ça que c'est très important de le trouver, de venir le faire enfin, que moi du moins je monte la strat en tant que heal, car toute la strat se découvre en heal. Alors vous voyez là, il a invoqué donc des boules de feu. Ces boules de feu vont venir très 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 souvent. Et jamais de la même façon. Là il y en a invoqué deux. Donc toujours quand c'est le cas, en fait, il cible un mob, enfin une personne. Vous êtes ciblé, vous bougez. Et une fois que. Enfin voilà, vous êtes ciblé, vous bougez, et après il tire la boule. Il fait son arrêt, vous voyez, là toutes les boules vont dans un sens. Avise toujours une personne de base. Mais jamais la même personne, ça va toujours changer bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Là la petite géole, alors la gemme, c'est en priorité la gemme. Donc là, en tant que tank, vous ne donnez pas forcément de coup de main. Pourquoi je dis ça? Parce que là c'est ce qu'il a voulu faire le tank, mais surtout pas en fait. Sauf si la géole est à côté de vous, là vous le faites. Arrête de rester dans le feu, bah oui, au bout d'un moment, c'est logique que tu meurs. Si Naok était intelligent, il l'aurait raise. Et là, il s'en va. Donc il s'en va à peu près à 30-40%, je crois. Et alors là, c'est à moi de surveiller en fait la vie destinée maintenant. Vous voyez, Estinia s'habite à 60%, donc là je devais tout simplement healer Estinia pour qu'il reste en vie. Parce que là, tous les adds qui vont arriver vont tout simplement focus Estinia et essayer de le tuer. Si Estinia meurt, c'est le wipe. Parce que seul Estinia, grâce à l'œil qu'il a récupéré, donc l'œil du Nidhogg, peut vous sauver de la mort de l'attaque du boss.
obligé de faire des gros heals à Estinel et ça, ça me plaît pas trop. Sur moi, l'hiver. Qu'est-ce que je fais? Estinel, tiens, prends une dignité essentielle. 15%. Donc là, très clairement, c'est toujours. Putain. Au boss d'arriver, je pense qu'on va wipe parce que. Malheureusement, j'ai passé mon temps, moi, à. Il est stylien et pas forcément DPS. Donc là, vous voyez, il casse le massacre, mais pas que ça passe. Pas. Juste trop tard, le timing, j'ai mangé des DPS. Donc c'est ce qui arrive assez souvent. Alors c'est pas un manque de heal sur Estinia, c'est un manque de DPS à l'heure actuelle. Donc on va essayer de le retourner, moins crispé, et de vous le faire. Alors en soi le tank, enfin la strat est connue hein, de mes collègues. C'est juste qu'en fait tout simplement ils sont au niveau de leur stuff c'est pas ouf ouf. Là je regarde le CAC, il a essayé encore le torse qui est 50. Donc ça c'est pas ouf, il y a du 51, 50, 55. C'est le seul truc qu'il a de bien. 50, 51, 50, 50, 51. Donc là tout son stuff est moisi. Sauf son épée et ses bottes. Il est donc 56, donc oui. 57 pardon, donc oui son stuff est pourri. Sachant qu'il a un dragon, c'est pas le même stuff, donc non, il peut pas récupérer du stuff d'ailleurs. L'invoque, je prends le cas de l'invoque, ça c'est du 50. 54, donc ça passe, c'est du HQ, donc ça c'est bon. Ça c'est du 50, ça c'est du HQ, c'est bon, c'est bon. Ça c'est bon, tout ça c'est du 50, je regarde pas. 52 HQ, c'est potable. 54, ça c'est bon, donc c'est pareil, il a pas du gros, gros, gros stuff. L'un de ses plus gros persos, je vois 56, 54, ouais, c'est ses plus gros persos, donc c'est pas ouf. Lui, j'ai déjà regardé tout à l'heure, c'est du HQ, ça, ça passe, 55, ça, c'est bon. 53, ça va, allez, sauf c'est du donjon, donc ça peut passer, ça, c'est un peu limite. Ouais, c'est un peu, un poil limite, quand même. Au niveau du stuff, mes amis, je vais peut-être passer en thème du Hunter, juste pour changer un petit peu. Pourquoi je l'ai fait en ajout? N'importe quoi. Donc moi je vais essayer de dépasser tout au niveau des ZAD. Alors je vais essayer de remettre quand même Estinia en style de Fokin. Parce que tout simplement en fait sur la première phase du boss. Je vais mettre mon interface, quelque chose autour de moi. Sur la première phase du boss, les Zeruboules peuvent aussi justement le taper. Vous voyez, celle-ci, non, elle est esquivée quand même, mais après, quand même, le toucher à ce moment-là, vous voyez, je suis quand même 93. Là, il a pris des dégâts. Je le heal pas sur la première phase du boss, je peux lui donner un petit heal de temps en temps. Mais en soi, c'est pas ce qu'il a plus besoin. Je vais juste, moi, lui caler comme ça, peut-être une petite bienfaisance au cas où, de temps en temps. Pour qu'il encaisse certains dégâts, Estinia. Alors, je vais me heal. Retriage, les pieux augmentent de 40% les dégâts. Alors je méfie toujours parce que quand même il prend pas mal de dégâts, il est 40% le boss. Donc vous voyez là le boss c'est à 40% à peu près. Donc sur la première phase, enfin, vous n'êtes vraiment pas obligé, vous, en tant que heal, de DPS, il faut le savoir. Je regarde juste à peu près à combien de pourcents il va s'en aller, 33%. À 30, à 25% sur qui part. À 28% il est parti. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment en tant que de tout faire. Je dirais la flèche, tiens là. Bienfaisance. Je vais essayer de donner un coup de main à la DPS en faisant descendre un petit peu plus les mobs.
Hop, hop. Donc là, j'ai utilisé un petit sort qui, moi, me permet quand même de faire des choses assez miraculeuses, qui est donc la vitesse de la lumière, qui me permet juste en fait de pouvoir dépasser plus rapidement. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'est une attaque quand même qui est assez coûteuse en mana aussi. D'ailleurs, ça va me voir qu'on en est un petit peu bas, c'est pas grave, je me régène. Donc là, vous voyez, en général, ce qui se passe très souvent, hein, surtout quand les gens sont low HP, enfin, low, c'est très clairement, oui, vous avez du mal à DPS, là, ça va être beaucoup mieux. Et donc là, vous voyez, Estinien, en fait, donne son dôme, et sous le dôme, on prend quasiment pas de dégâts. D'accord, j'ai profité pour faire un petit Telios aspect, et on prend des dégâts, et vous voyez, là, ça nous one-shot pas. Et derrière, normalement, hein, si le CAC est intelligent, derrière, maintenant, vous en foutez Destinien. Hop, et là, c'est LB, hein, c'est même pas vous réfléchissez. Alors, à ce niveau-là... Là, à ce niveau-là, c'est où vous dépassez la GLD d'Eben, ou non. Parce que tout simplement, en fait, vous pouvez